c'est ce qu'on appelle Rogan. Sonora Jamuyanzi. Sonora Jamuyanzi. Pour la sonorisation de vos soirées, fêtes de mariage, anniversaire, retrait de deuil, bal dansant, la solution c'est Sonora Jamuyanzi. Sonora Jamuyanzi. Avec une puissance efficace, à partir de 1000 à 8000 watts. Contactez Sonora Jamuyanzi au 06 24 82 54 80. Sonora Jamuyanzi. Sonora Jamuyanzi vous propose un répertoire de musique variée. Rajamuyanzi. La solution pour vos fêtes, c'est les 06 24 82 54 80 ou 01 39 14 50 04. Sonora Jamuyanzi. Kisaluna Kisalu. Sonora Jamuyanzi, à partir de 1000 à 8000 watts, la puissance à votre service. Un son bien raffiné et une bonne animation. Sonora Jamuyanzi. Kisaluna Kisalu. Qui a les droits et qui est cette personne qui peut dire sur ma spiritualité et dire quelque chose sur Oyo appartenance, il y a place où on a à en croire, tout y a Nzambo où on a à en croire. Je suis sur une très bonne voie. La communication avec Dieu, c'est faire le bien, éviter le mal, automatiquement. Donc, c'est-à-dire que il faut même pas croire à des charlatans qui sont là uniquement
pour n'abat dévier bino et bah décourager les gens qui veulent faire du bien en République démocratique du Congo pour les autres. Ado, vous n'allez pas les décourager, il ne sera pas là dans des bêtises. Vous dire merci, voilà pourquoi je dis toujours un grand merci au PDG Richard Kabala. Il est toujours avec moi, ils sont toujours là pour soutenir. Vous pouvez dire Bossali ou Bossalawana. Si Dieu élève une personne, si sa nation, si la diaspora, Oyoba Sepeli, qui est Ado Zalawana, jamais au groupe Moura Bendividi, Yabani Boulukabo détruire ce que la diaspora a construit et pas à Ado Oyo. Oh, quand même, ou, bah, congolais, ou, bah, on n'a quand même pas ado. Tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais laisse, bah, tout, bah, on l'inga, bah, l'inga, raka, émission, oh. Itumbaya Molimo, Mwanana Mwana Bendana, rendez-vous le 19 mai 2024, au Casino de Paris. Demi-dieu, Jida Sambendengesso, je suis Mukuyo. Je suis là, voilà, Mwana R.O. Zwakuna, leader de la distribution, best man le meilleur, claver le caca. Claude de Moutouba. Oh,
Amina sima batonya soba koma kotu na yo Dudu wa konyo lela lela suse lika izo tuleno Nasangi moto ako ya kabela nga ata eseko Benga zana nda kuna kutuwa lelo yo Charles Bédélé, Christelle Ouam, Fangi Sambo, Betsalon 2000, Johnny McKebel, exécuteur. Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende.
leur légende sur Ben. Studio de Légendes Urbaines, bienvenue mon ami, comment vas-tu? Merci, ça va très bien, merci pour cette intro incroyable. Ça va? Tu m'as ressorti des sons dont je ne me rappelais plus, enfin voilà, merci. Mais oui, mais je voulais faire un petit mix entre, c'est Légendes Urbaines, c'est donc trop des bien. Sons de bras, mais tes sons à toi ouais. En fait, parce que t'es chanteuse, oui. T'es une vraie musicienne. Ouais. On va en parler, mais tu connais un peu le rituel. On repart sur tes débuts avant de parler justement du Casino de Paris, ouais. De ta tournée, de toute ton actualité. On va revenir sur vraiment tes débuts. T'as grandi dans le 78 en banlieue parisienne, ouais. Dans les Yvelines, à Maurepas. Tout à fait. Précisément. Ouais. Tu étudies le piano durant 8 ans au conservatoire, âme ouais. d'artiste. À quel âge, vraiment, parce que t'as fait 8 ans de conservatoire, à quel âge tu commences vraiment le piano? Je commence le piano à 6 ans ou 7 ans. Ouais. Ouais. J'en fais pendant 8 ans. Et j'ai un niveau aujourd'hui qui est pitoyable par rapport au nombre d'années où j'ai étudié le piano. Et en vrai, j'ai un peu lâché aussi parce que je crois que je suis un peu une flemmarde et que dès que j'ai un peu des compétences dans un truc, je m'auto-suffis. Je dis « Oh, c'est cool comme ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin ». Donc ouais, j'ai pas persévéré, j'aurais peut-être dû. J'ai pas de regrets, enfin j'en ai quand même quelques-uns, bien sûr, j'ai quand même quelques ouais. regrets. Mais ce niveau pitoyable me permet quand voilà, même de jouer. Niveau pitoyable, t'es quand même en train de parler. Il y a une majorité de gens qui savent à peine jouer Lettre à Élise avec un doigt sur bien un sûr, bon tempi. Bien sûr, mais tu moi vois, j'ai fait 8 ans de piano. C'est vrai. Ouais, Sofiane Pamart, si tu nous entends. Je te défonce. Sofiane, c'est marrant, t'es très second degré, voire 18e degré. Ouais. Et c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer chanter du R&B ou de la chanson très premier degré. Ouais, bien sûr, je comprends. Je comprends. Et je sais même pas si... Enfin, j'allais dire, je sais pas si je pourrais le faire maintenant que j'ai embrayé dans l'humour. J'ai pas de frustration aujourd'hui à pas le faire. Mais si demain j'ai envie de le faire, je le ferai, ouais. Ouais. Mais j'ai un vrai amour de l'écriture. Mm-hmm. Et je pense que aussi ça peut se voir dans le spectacle. Bien sûr. J'ai les vannes, elles sont archi travaillées. Après, il y a de l'impro, tu vois. Mais j'ai cet amour de l'écriture Et du coup, dans la musique, j'adore faire des top lines, créer des mélodies, mettre des mots dessus. Et je trouve que tout ça se rejoint. Et quand le spectacle est né, eh ben, j'ai mis tous ces trucs-là dans un seul truc. Je me suis dit, putain, je chante. C'est gaulerie, j'écris, c'est vrai. Je joue. Et il y a tout ce que j'aime faire dans ce spectacle. Tu parlais tout à l'heure d'Issa Doumbia. Bien évidemment, mais bien évidemment, on a demandé à... Aïssa te pose une question. C'est pas... Tu sais, on enfonce une porte ouverte. C'est même plus une surprise. Évidemment. Merci Issa, mais c'est la famille. On fait l'émission ensemble, de près, de loin. Laurie, je suis avec Juliette. J'espère que tu vas lui raconter ta passion pour les avions. Franchement, ça me ferait plaisir que tu lui racontes. Tu as un petit bisou de Lady Di. Je t'embrasse. Allez, on se retrouve à la mélodie. Quel bâtard. C'est un bâtard. Trop punchline. Bon, la mélodie, c'est du côté de trap, c'est la ça? La mélodie, c'est une boîte de nuit, ouais. Mmh. Et donc, quand il me demande ma passion sur les avions, c'est un peu... Et les Didi, il y a l'avion, il y a les Didi. Moi, j'ai pas compris. Merci, Issa. Merci encore une fois, alors, Issa. Salut, tonton. Tonton Marco. Je vais terminer le dossier d'Issa. C'est comme mon daron. En vrai, dans le garage, il construisait des avions. Et un jour... Comment ça, il construisait des avions? Non, mais je savais qu'il travaille pour la NASA. C'est quoi? Je comprends pas. Sa passion, c'était le modélisme. Donc, il faisait des avions en miniature, tu vois. Et genre, chacun son hobby. Un jour, ils sont venus chez moi avec mon coach d'impro. Et moi, j'essayais de cacher le bail, tu vois. Je dis, voilà, ça, c'est terminé. Il voit ça, c'est mort. Je me fais vanner jusqu'à la fin des temps. Évidemment, Issa est rentré dans le garage. Il est tombé sur les avions, sur mon daron et ses lunettes. C'était terminé. Sauf que un jour, je suis au bureau et mon coach, Nono, que j'embrasse très fort, il me dit, tiens, il faut que j'aille voir la maman d'Issa. Tu veux venir avec moi? Évidemment. Et je suis partie chez Issa. Et chez Issa, sur le buffet, la maman d'Issa, que j'embrasse très fort, elle avait plein de taufes de tout le monde. Issa Petit, son frère, sa sœur et les Didi. Donc
chez la maman du ça, il y avait Lady Di dans un cadre. C'est allé, c'est bon. Tu parles d'improvisation. Qu'est-ce que l'improvisation t'a appris? C'est devenu une drogue, en fait. C'est une véritable discipline. Mm-hmm. T'as des ateliers dans lesquels on t'apprend vraiment des techniques pour réussir une impro. Par exemple, t'as pas le droit de dire non, tu dois toujours faire avancer l'histoire, accepter la proposition de l'autre. Et c'est surtout une discipline qui a des valeurs citoyennes incroyables. T'es dans l'écoute de l'autre, tu dois absolument... En fait, il y a des fautes, il y a des règles, tu vois, il y a des matchs avec des points. Donc, t'as un arbitre qui siffle des fautes. Et par exemple, tu n'as, ce que je te disais, t'as pas le droit de dire non. Donc, on rentre, on a un thème, t'as une équipe en face. Le thème est le verre d'eau. Pouf, ça rentre, t'as 30 secondes pour réfléchir. Et l'autre, il te dit, tiens, viens avec moi, on va acheter du pain. Toi, t'as pas le droit de dire non. Donc, il doit t'amener dans son histoire. Mais toi, t'as eu un brief. Tes potes, ils t'ont dit, alors toi, ton histoire, c'est ça. Donc toi, t'essayes de l'amener dans la tienne, lui, il essaye de t'amener dans la sienne. Personne n'a le droit de dire non à l'autre, mais finalement, avec un système d'écoute, vous allez construire un nouveau truc. Tu dis que t'es pas trash, mais t'es hyper trash, hyper vrai, hyper juste, mais hyper trash, parce que la vérité est trash en réalité. Bien sûr. Mais il y a des moments où t'as honte, où t'assumes pas. Ben, en fait, moi, ce que je trouve plutôt cool, c'est que... Pour le coup, donc, mon spectacle, il parle de la maternité. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et toutes les meufs, quand on devient maman, on a affaire à cette maman modèle qui est justement un petit peu comme ça. Desperate Housewives. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai essayé un peu, tu vois, c'est un peu ce perso-là, mais cassos. Elle n'arrive pas, la meuf. Et je trouve ça infiniment plus intéressant que d'arriver en moi, finalement. C'est moi, mais dans cette meuf-là. Non, mais c'est de la dissociation. En plus, c'est plus simple pour toi de dire ces trucs-là. Évidemment. Ouais. Évidemment, je dis, parce que tout est inspiré d'eux, mais il n'y a pas de vraie vérité. Chacun, il va y trouver sa vérité, puisque c'est des thèmes... l'accouchement... Non, mais c'est universel. C'est-à-dire que même les mecs sont là, en fait. C'est pas un spectacle. Enfin, tu vois, t'es suivi par des nanas, mais t'es suivi aussi par... Plein ça, c'est ma grande victoire, c'est que quand tu me vois, tu vois ce que je vends un peu, tu te dis, ouais, spectacle de meufs, ça va faire que chanter. Et en vrai, moi, du coup, c'est les meufs qui sont prescriptrices du déclencheuse du ticket, mais elles tirent leur mec et les mecs... Et les mecs pleurent de rire. Et les mecs, ils sont ravis. Casino de Paris, ça y est, tu reprends la tournée. Ouais. Là, il y a le confinement, tout ça, vidéo internet, le bouquin, voilà. Le truc, ça y est, tu reprends la route. Absolument. Qu'est-ce que tu prépares? Écoute, je veux, en fait, ce spectacle, évidemment, qu'il a vieilli dans ma tête, parce qu'il y a un an, on a mangé un an de confinement, je chante mon accouchement, ma fille, elle va avoir 8 ans. Donc, j'ai envie de terminer ce spectacle, mais de le terminer comme je l'avais pensé dès le début, tu vois. Donc, j'ai vraiment envie de le faire évoluer, de faire un vrai beau casino, de terminer une vraie belle tournée. Et après, pourquoi pas, si Dieu veut, un deuxième spectacle. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Quel serait ton message universel? Quoi qu'il arrive pour ce jour, prenez la vie du bon côté. C'est mon leitmotiv. Merci. Juliette, merci beaucoup. Merci et bravo à toi. Non, c'est un bonheur. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission dans laquelle on s'est dit plein de choses avec Laurie. Et puis en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Laurie. Merci ma Juliette. On merci ensemble. Beaucoup. Yes. Ya solo nandimie. Sono maloba yango, moto moko a evite, mokolo e shida kosonga, atango gata mokolo, kaka e moko, atikala kobo melangai, na kosuka wapi. Yala, amen, abraza. Ya solo nandimie, solo maloba yango, moto moko a evite, mokolo a visa kosonga. Atango mata mokolo, kaka ye moko atikala kobombela ngai, nakosuka wapi ye. Mosheria boya, ponikolo. Soki olingi ngai, pesa motema, pelukela ngai, mosalisi mosusu e bozala na ngai. Po bolingo mosika pasi, nazela bakula boni yo kozonga, potolaka na kanga na yo. Banda e jide de
Génération Zego Bruxelles. Valérie. Tis. Et j'étais des frères, la moelle est copiée. Tika kota la cima, Bobo Sani chancelayo. La pesa qui a monté ma, la sola qui m'a se copi. La la lelo yo tiki ngay, la ma bon koya li kardoye. Et me tumba la Canada. Madaka, Alphonse Manuela, Michel Manzila, Joël Foto Mbetenge. Nadikala na mawana koma ko vivre na ba souvenir ya molinga Chloé et Claudine Katinga, salata reconnaissant na palena. Régine la la bonio sundoli mama, Sia. Oboti ndumbi bonio salinga boye na kokufai pona yo. Sina lala na luka pongi na misezalite. Oh, Egide, onke la kai mawa. Na komi na suka de fer sokae. Jose Kabemba. Ma, 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 ma. Mala lebi zoto yango zela bolingo na yola. Mote maya moto mafise komi na sukae. Asu sina lala na luka pongi na misezalite. Abracadabra, de Bruno, papa na kade lusha. Ejide langa bonio sundoli mama. Ambasi, one kidisho bonio salinga boye na kokufai onayo. Almelve makundele, kiongesi. Motema ya moto de feri komina sukae. Asusi na lala na luka pongi na misezalite. Oh, Ejide, okela kai mawa. Na komina Arieto Makwa, Bobo Ponzi, J.P. Moutema, les Gilets Gignons. Yadanya mama na kisha kamita na kwefa yomide. Yadanya mama na
Bob, Okelo na Toronto. Mais en même temps aussi, en parlant de cette relation-là de fraternité, nous avions vu que Roga Roga a été là, il y a quelques temps, ici à Paris. Vous également, vous êtes ici à Paris depuis début juin. Est-ce que vous avez le temps de parler, que ce soit par appel téléphonique ou de vous rencontrer? Non, on n'a pas encore eu... On n'a pas encore eu ce temps-là parce qu'il était ici, nous on avait beaucoup de concerts parce qu'on est arrivé ici pour une tournée. Donc Lausanne, Lyon, Dijon, lui aussi il est venu pour ses occupations. Donc c'était des voyages de travail, on n'a pas eu le temps de se voir et de discuter. D'accord, et depuis cette division, est-ce que vous aviez eu le temps de converser? Non. Du tout? Non, aucun mot? Aucun mot. Jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Plus de 3 ans, presque 3 ans déjà? Oui. Aucun signal? Non. Pourquoi? Mais comme ça. Parce que chacun de nous dans son coin, en train de travailler, en train de bosser, en train de voir l'avenir autrement. Mais sinon, il n'y a pas de problème personnel. Il n'y a pas de problème personnel, mais personnel, juste pas le temps de se parler. Voilà. Non, juste pas le temps. On se voit, on ne s'est pas encore vu. On s'est même croisé. D'accord. Ouais. Vous voulez qu'on organise une rencontre? Pour faire quoi? Pour parler. Parler de quoi? Parler de la musique. Oh là là. Donc, organiser un séminaire alors. Comme ça, il y a aussi mon grand frère Raymond Donfou, ça fait aujourd'hui 4 ans qu'on ne s'est pas vu, il n'est pas le seul. Il y a aussi Guigui, il y a aussi Guigui Fall qu'on ne s'est pas vu. On invite aussi d'autres artistes. Mais oui, non, il n'y a pas de problème, sauf que aujourd'hui là, avec Extra Musique à Nouvel Horizon, on a beaucoup de programmes, on est surchargé. Déjà là, je reviens du tournage du clip, donc tout est... Dans 2 jours, je repars sur Brazzaville. Après, je vais faire un tour en Côte d'Ivoire, revenir à Brazzaville, partir à Kim pour un concert. Donc, il y a beaucoup de tournées là, organisées, planifiées. Et franchement, merci de m'avoir accordé ce temps. C'est à moi de vous remercier. Pour cet entretien. Maître John, le leader. Ma petite tendance, hein? Le prince Albert Lumila, Hilberti Bangani, Café Coton. Freddy Lusambolo, l'ingénieur.
talo na suyete la mouyo nga na kweye papi nzinga me ton blanche levi Cécile Tchiboula la babi de Kelly l'inganie pour les meilleurs pour les pires Arnaud tosito le tosangito koufi technologie koma José Nzingo kosanga pepe kisipo limote bonheur nanga eza moi remi de te popa suki zaka Roger Mayemba, Fumwa Boala, Acha Mavoto, Kiber Kanyenda, Jean-Fils, Mapuya, Mami Dopele, Gisha Yabasso Motro. Savoir, est-ce qu'un jour, bon, je peux le dire différemment, là vous avez vu le concert de Wenge, la réunification. Chapeau. Ouais. Encore chapeau. Chapeau. Nous avons vu les anciens, ouais. Les grands, qui se sont réunis avec leurs petits. Tout Wenge réunis. Ils ont fait le plus grand stade du Congo. Stade des martyrs. Écoutez d'abord le nom Stade des martyrs. Ça veut dire que là-bas, là, les martyrs qui se sont battus pour l'indépendance du Congo ont cet hommage-là. Ils n'ont pas hésité. Hein. Ils ont mis leur ego de côté
Ils ont mis leurs préoccupations personnelles de côté. Ils se sont dit, on va faire quelque chose de bien. Comme vous l'avez dit, pour redorer justement la musique congolaise. Wenge s'est réuni, ils ont donné un très bon concert. Le peuple a aimé. La diaspora aussi, nous avons aimé. Les étrangers ont aimé. Tout l'Afrique a aimé. Le monde entier a aimé. Maintenant, est-ce qu'un jour, serait-il possible de voir aussi Extra Musica et Extra Musica Nouvel Horizon réunis pour donner quelque chose de ce genre, même pas dans un stade, mais peut-être aussi dans une salle de concert, dans un lieu juste pour faire plaisir aussi au public et aussi de participer à l'élévation, à la pérennisation de la musique congolaise? Mais pourquoi pas, s'il y a un producteur, même tout de suite, hein, ici, il met ses moyens, on y va. Vous pensez que les autres vont accepter? Comme je ne suis pas Dieu, je ne suis pas à la place des autres, mm-hmm. mais hein, pour moi, que ce soit même aujourd'hui, si un producteur met ses moyens, mm-hmm. et si c'est pour l'émancipation de la musique congolaise, je suis partout. Il n'y aura pas de guerre sur scène? Non. Guerre pourquoi? La musique, c'est pas... Parce que vous nous dites que ça fait un moment, depuis que vous avez créé Extra Musica Nouvel Horizon, mm-hmm. vous n'avez plus parlé. Non, on ne s'est pas encore vu. Mmh. Chacun est occupé mmh. à faire ce qu'il a à faire. Mmh. Donc, on n'a pas de problème personnel. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et aujourd'hui, tous, on se bat pour la même cause. Mmh. Pour l'élévation, l'émancipation de la musique, de la rumba. Donc, moi, je ne vois pas où est le mal. Et aujourd'hui, si tu veux le faire, ou s'il y a un producteur qui met ses moyens, même demain. Non, ça veut dire si demain on invite Roga Roga mm-hmm. avec Extra Musica, mm-hmm. on invite Sonore Digital mm-hmm. avec Extra Musica Nouvel Horizon, mm-hmm. on vous parle de réunification mm-hmm. tous ensemble non, si sur la même scène. Oui, avec même Durel Lumba, Quentin Riasco, mm-hmm. Kilamou, mm-hmm. si un producteur vient aujourd'hui, il met ses moyens. Tout le monde va se réunir. Ouais. Même Guédé Fall. Oui, que je salue en passant. On va un peu revenir encore dans le passé. On va faire un petit rétro. Tu aimes bien le passé. Le passé. Parce qu'on dit que le passé nous montre aussi l'avenir. Enfin, ouais. nous montre ce qui non, ça me dérange pas. Demain. Ça me dérange pas. Le passé peut être aussi peut être une prédiction aussi. Enfin, je me rapproche, comme ça, ça reste entre nous. Vas-y. Quoi qu'elle en dise, quoi qu'elle en fasse, Mireille Nathalie, maman Stéphanina, Anna Aurélie. Elle m'a dit en veille, Oyoki Moussala, c'est la grande équipe. Lelo na lali, na se a pongi na lotio, Yoko balo kanamoto konsusue. Gisla Anara, Pelo Jambo Bata Kamalo, Bato Banakiri, Koso Keto Kawane Nayo, Onaliye. La foi vient de ce que le matin Hervé Thérèse, Fred Apinigo. Marie, Marie, l'équipe Zika, Nana Zoua, Mongo Apio. Nasenga Giza, Na Mona Chéri, Nanaï, Kawana Kose Maboye. Bangangeri de Pongo, Musika Yosali Ernesto Kombi. Oboya Naiteho, Musika Nate Mama, Parfete Olebae. Yaka Yaka la Bolingona, Naye. Soka Zopa la Bolingwa, Papi Sakikae. Angana Meminga, Mona Bolingonga Napona. Talangana Meminga Moe. Mi balle baka bola
lelo yo komina pari mosika Muta yo tende yo tika Ne susi la lote mama Muta yo tende yo tika Mani Clarissa, tu m'as guillé, Réfi Merline et Mamou Maman la Janice, Brigitte et Matondo Libé Noir de Victor, Nervis et Kiyama, tu m'as guillé, Pio, Nama, Mokyo, Aye Yaka, Yaka, Yafrido, Sena, Chero, Nanga Bako, De La Kayo, Mosika, Pio, Zaye Mateza, Sopio, Koyo, Kanzo, Mon directeur général, Le Kya, Ako, Nua, Mene Le mec Claude, je l'aurais misé à pointe noire. Le patron de la finale, président de la communauté libanaise. Jean-Pierre Gombert, docteur Yvan Fille.
Jacob, au Kelo na Toronto.